Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto où nous allons apprendre à réaliser le nœud du Val d'Autun tressé. Ce fameux nœud qui permet d'effectuer un frein en sortie de nos mouflages sur nos long lines. Voilà. Pour réaliser ce nœud, vous aurez besoin de trois choses. La première, c'est un mousqueton en acier qui viendra terminer votre nœud ici. La deuxième chose, ça va être l'utilisation d'une poulie. Donc là, vous pouvez utiliser une poulie simple, hein. Alors, ce qui est important, c'est cette petite échancrure ici qui va vous permettre de venir crocheter un petit peu plus facilement votre nœud. Mais si vous n'avez pas d'échancrure et que vous avez une poulie simple de ce type, le système marche tout aussi bien. Donc une poulie simple, un mousqueton et le dernier élément fondamental, pardon, le dernier élément, c'est votre fameux ficello, ce petit brin en aramide qui va vous permettre de réaliser votre nœud autobloquant. Donc plusieurs solutions, vous avez des brins manufacturés comme celui-ci qui présentent une épissure cousue toute faite et qui vont avoir l'intérêt d'avoir un système très propre et très bien installé. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement de la corde antifusion et réaliser un nœud de 8 en terminaison. Ça marche très bien. Voilà, hein, moi j'utilise ceci, on a commencé avec ça et c'est très très fonctionnel. Un petit peu moins joli, un petit peu moins propre que l'épissure, mais bon, ça fonctionne très bien. Pour réaliser ce ficello, 2 mètres de corde suffisent pour réaliser ce nœud et ce cordage. 1 mètre entre les deux extrémités. Voilà, et vous avez votre système. Vous avez le modèle Béal réalisé avec le cordage Volcano, et vous avez la corde Océan que vous pouvez trouver, la corde FTC que vous pouvez trouver chez EVA également. Voilà. Donc là, c'est une épissure réalisée par mes soins. C'est une double tresse, donc voilà, vous allez trouver des tutos pour faire vos œils. C'est très propre, c'est sympathique à fabriquer. Donc de la fibre antifusion, boucle à boucle, 1 mètre pour réaliser votre nœud. Et je vous montre tout de suite comment on réalise le nœud. Pour réaliser le nœud, donc on va effectuer 3 tours autour de la corde. 1, 2, 3 tours. Voilà, on équilibre ces brins, de façon à ce qu'ils aient la même longueur. Et le brin qui est sur le, on va dire l'avant du mouflage, d'accord, celui qui est le plus loin de la poulie, il va venir fermer nos 3 tours. Il ferme. Toujours un brin de chaque côté de la corde. Le brin ferme nos 3 tours. Une fois qu'il a fermé les 3 tours, on va essayer de regarder ce brin. Ce brin, il est, on va dire, le coinceur. Et ce brin-ci est le coincé. Celui qui est pris dessous. D'accord ? Donc le coinceur. Et là, on va alterner. Le coinceur devient coincé, le coincé devient coinceur. Dessus, dessous. C'est-à-dire que là, le coinceur est dessus cette corde. Le coinceur est dessus cette corde. On va passer dessous et il va se retrouver être le coincé. Donc ce brin qui est dessus passe dessous. Et c'est celui-ci qui vient le coincer. Et on va alterner. Maintenant, c'est lui qui va venir coincer. Donc pour venir coincer, on va d'abord poser celui-ci et il va venir coincer dessus. Il est dessus et là, il est dessous. Et là, il est dessus. On a bien alterné à chaque fois. Donc là, maintenant, il faut faire l'inverse. Il faut que celui-ci vienne coincer. Voilà. Le nœud est terminé. 3 tours ici. 1, 2, 3. 3 tresses. 1, 2, 3. On a bien alterné les tresses. Le brin est sur le dessus. Passe dessous. Revient sur le dessus. Passe dessous. Revient sur le dessus. Hein, et si je prends l'autre brin, il est dessous. Il coince. Sur le dessus, il est dessous, il coince sur le dessus, il est dessous. Donc maintenant, mes 2 épissures qui ressortent de mon système, eh ben, je vais venir les mettre avec ma poulie. Donc je place ma poulie derrière mes épissures. D'accord ? Et j'en mets une à gauche et une à droite. Comme ceci. Reste plus
qu'à venir accrocher mon système derrière. D'accord. Le mousqueton vient derrière, passe dans la poulie et prend l'ensemble. Voilà, le système marche très bien. Donc là, je peux tirer. Voilà, le système a pris. Donc on retrouve bien mon nœud avec ces trois tours. 1, 2, 3. Et puis ces trois tresses alternées derrière qui viennent manger. Le système fonctionne.